أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc avant de commencer, dites-vous de combattre cette vidéo, mais que je vais vous faire d'abord le sahte la rahma, qu'on puisse faire le khati. Donc j'espère bien en barrahma, ou qu'il y a un autre musulman, inshallah, l'homme et qu'il y a un marsini, vas-y, fait ihsani, ou qu'il y a un musulman, a fait la jauz, ainsi, a fait la rahma. Donc, pour le même de la chaya, le deux premiers cours tana, l'anatomie digestive, c'est la paroi abdominale. دونك كاين بالك كلكو فاكولتي وبالك من عام لعام يتبدلوا لوغ تاع لي كور، دونك ما يهمش انا حنشرح كي شغل الكورس سي لو بيجي كور، دونك جو في ديتاي سيغ تو ان شاء الله ونشرح كلش ان شاء الله. دونك بريميرمون سي لو بلان تاعنا و افوار اون بيتي انتروديكسيون ايسي ومن بعد نشوفو لا باوا اونتيرو لاتيرال تاع لا باوا دومينال وموراها نشوفو لا باوا بوستيريور، و بيان سيغ كي نلقاو لا باوا حنلقاو لا كونستيتيسيون موسكولار تاعها، حنشوفو لي بوان فاب لي هما لي بوان لي بالك منهم نصيبو دي زيرني يخرجولنا دي زيرني، دي زيرني كي نوصلو نشرحولهم نشرحولهم، و بيان سيغ أناتومي دو سيرفاس حنشوفو لا سيرفاس تاعهم. Premièrement, on va voir la définition. C'est quoi la paroi abdominale? La paroi abdominale, c'est la région moyenne du tronc. Le tronc, voilà. Le GTL, je pense, bravé. Le tronc, c'est le corps humain. Voilà. La paroi abdominale, c'est la région moyenne de le tronc. C'est pour la moitié. Elle constitue entre le thorax, le pauvre, les chefnaires, la première. Unité d'un cardio-respiratoire et bien sûr le thorax, bien sûr, hygiène du cou, le T12, ou même la paroi abdominale, c'est le T12. Et bien sûr le pelvis. Le pelvis, c'est le bassin. Il y a la région des deux os coxaux. L'os coxal, je suis là, donc la paroi abdominale combine le pelvis et le thorax. ليفيمير كيما قلنا اونو عندنا لو ديافراغ لي هو لي حي كل ليميت اون في انتيريور دو توراكس تاعنا اي اوسي لا ليميت سوبيريور دو لا باوا ابدومينال اي اون بان فوا فوار لا كافيتي بيلفيان. دونك بور لا كونستيتيسيون عندنا اون باوا هاي لا باوا تاعنا كي نديرو اون كوب ترانسفيرسال دو لا باوا ابدومينال حنسيبو لا باوا ابدومينال تاعنا بيان سور دوكا انا نهضر على الابدومينال. Et la cavité, c'est pour les organes, c'est pour le cœur, c'est pour les stomacs, c'est pour les intestins, c'est pour le colon, etc. On a avec ma couture dans le rachis, bien sûr avec les muscles cérébraux. En haut, c'est le muscle de l'abdomen antérieur, le muscle droit de l'abdomen. Et latéralement, c'est pour les muscles larges de l'abdomen, les haumas, l'oblique externe, l'oblique interne et le muscle transversal. Pour la constitution, nous avons la paroi abdominale, on va de choper la cavité. La paroi abdominale, elle a quatre constituants. Premièrement, le cadre osseux de l'abdomen. Bien sûr, la paroi des muscles contient des os, les supports. Donc, pour le cadre osseux, c'est pour le rachis, les crétiniaques, la crête du pubis. Et bien sûr, les côtes. Le plan musculaire poneuse antérieur et postérieur. Donc, pour musculeux, je pense qu'un arbre, ça veut dire les muscles. Aponevrotique, c'est quoi un aponevrose? Une aponevrose, je ne sais pas exactement. Donc, l'aponevrose. Normalement, je n'ai rien dit, parce que la ponévrose, c'est une fascia qui a grippé les muscles. Rappelez comme un exemple. Je prends la cuisse, avec la cuisse tana, déroule une coupe transversale. Et là, la couche fine, la cuisse tana, la cuisse tana, j'ai eu un hagra. On fait un trois plans musculaires, avec le plan médial, c'est pour faire le long adducteur et le court adducteur et le grand adducteur. L'antérieur, depuis le quadriceps et le chapitre. Pour le postérieur, fait le biceps fémoral et le muscle et les ischio-jambiers.
دونك هادو لي طروا بلون حيكونوا بيان سور سيباريين باه حيكونوا سيباريين بأون فاسيا أن فاسيا أن فاسيا هاديك نسموها لابونيفوس حد سيباري لي طروا لوج تاع لا تاع لا كويس سي لا ميم شوز بوغ بوغ لو برا لافون برا اكسيتيرا وين نصيبو دي لوج مسكولان حيكونو سيباريين باغ أن فاسيا لا فاسيا هاديك نسموها لابونيفوس هاي ليك هنا بيان سور حيسرقو لي لا لوج تاعنا كامل دونك هاي ليك لا فاسيا تاعنا لو فاسيا تاعنا هادي هادي لا تزيد تدخل لداخل بعد سيباري لي لوج هادي هي هادي هي لابونيفوس دونك بيان سور لا paroi dominante a la bonne voce ha trattena i muscoli e aussi pour le plan le un des plans cutanés sous-cutanés de l'abdomen qui n'a pas le cutané dans c'est la peau sous-cutané il y a place les نقدروا نتوشيوهم من la peau مثلا la clavicule sous-cutané parce que c'est là تحت la peau directement. Donc il a un droit là le plan sous-cutané de la dent. C'est la graisse. Aïe, la graisse, ça n'a rien à faire. Rien à dire, chirurgien, il peut être la région. C'est l'eau, la réchauffe, c'est la graisse. Donc, pour la cavité abdominale, quand c'est un réchauffe, c'est la graisse. C'est pour la graisse, ça n'a. Donc l'appareil digestif, la cavité abdominale, elle convient à l'appareil digestif, l'appareil urinaire, molor, elle convient à la rate, à gauche de l'estomac. Sur la glande surrénale, il y a une glande, d'ailleurs c'est quoi, l'asca, flera. Et bien sûr les nerfs sympathiques, Ivan. Donc, maintenant, je me dis que quand il y a l'appareil cardiovasculaire ou le nerf sympathique ou le nerf vagifère, le cœur. Ça ne veut dire pas que le nerf vague ou la chaîne sympathique spécialisé pour le cœur. Non. Le nerf vague et la chaîne sympathique, un jour pour nous, comme le corps, un homme des épées, comme les organes. Chaque organe, il y a un dos. Régulation sympathique et vague. Sympathique et parasympathique. Parasympathique par le nerf vague. En général. Donc on va commencer par la avec la constitution musculaire. Donc c'est l'ensemble des parties molles permettant le maintien des organes en place. Donc logiquement, les organes internes sont toujours par là. Les organes économiques sont 7 mètres des intestins. Les organes كامل كي va garder le داخل لو كان ماشي يكون عندك ان بلان يشدهم من الداخل ديالك بيان سور غيخرجوا برا وهذا هو التعريف ارني دونك la région de ventre en rapport direct avec les viscères digestives bien sûr va garder les viscères الحشاء الداخل عندنا 5 muscles le premier muscle c'est le muscle droit de l'abdomen باه تشفاو على لي muscles la paroi abdominale حنسموهم تسمية عمالكو سهلة بزاف على حساب الشكل تاعهم دونك هذا يسمو لي مشكل دروا باسكو راه مستقيم جاي مستقيم هكذا دونك سي مشكل بير عندنا دو واحد هنا اغوش وهاي دوزيام اغوش اي فونترال دونك باغ ريجون دو فونتر تاع المعدة سيتوي دون اون غين ابونيفوتيك يسموها لا غان ريكوزيان لا غان ريكوزيان هادي نفوتو نشرحوها بعد واحد المينوت اون غين فيبروز كما قلنا أبوني بوز حتى يكوبري لي موسكل دروا إي بيراميدا كيف راح تكون هاو يكون موسكل دروا لي موسكل بيراميدا حسب من تحت من باش هنا هادي لاركان تاعنا حتغطيو منا حتحتويو منا شوف كيف تحتوينا هاي إلي أونتوري إلا أونتوري لي موسكل دروا إي بيراميدا تاعك دونك كما قلنا لو ميس دروا حاسب داخل لا جين ابونيفوتي سي لا كان انتوزيان اسمو هكذا لوريجين تاعو عندك بريميرمو سي لا فاس انتيريور دي كوت 5 اي 6 دونك هاي ديك الكوت لا كوت 5 اي 6 اوليك 5 اي 6 عندكم لا فاس انتيريور تاعهم لو كارتياج كوستو 6ام و 7ام Et le processus visible. Ah oui, le processus visible. Il y a le processus, il y a sur l'axe de l'intérieur, c'est externe.
Donc, le trajet terre trajet vertical, bien sûr, avec trois ou quatre interactions dans ton domaine. C'est un seul domaine. Quel est un de 6 Hz, donc un de 3 interactions tendineuses. Pour un appel de schéma, un de 6 un de 4 Hz, donc un de 4. Donc, un, deux, trois, quatre. Voilà. La terminaison, c'est la case du pubis, ici. Les deux muscles droits sont reliés à son, il est relié à son homologue par la ligne blanche. Ça, il y a une ligne blanche, un cadre essentiel. Elle est fibreuse. Le ménage se connaît les deux. Les muscles droits. Donc, l'action terre de ce muscle, c'est un fléchisseur de front. Donc, chacun de nous voit comme les autres, vous avez la même façon plus simple. Avec une simple flèche. Vous avez de la partie supérieure terre. Alors, le muscle est là. Il y a un fléchisseur. Donc, il y le thorax. Il dit le membre inférieur. Voilà. Donc le deuxième muscle, c'est le muscle pyramidal. C'est un muscle pair aussi, donc annexé au muscle droit, donc qui se voit comme mulhaq le muscle droit, donc de l'acte muscle واحد très bien. C'est pas de la ligne blanche à la crête du pubis, donc l'origine terre c'est la ligne blanche, ou alors la crête du pubis. L'action terre est un tenseur de la ligne blanche. Donc la ligne blanche, il veut dire la crête de pubis. Voilà. Les muscles larges de l'abdomen, le muscle le plus superficiel, c'est le muscle oblique externe, ici montagne le grand oblique, jayana, oblique. Le deuxième muscle, c'est le oblique interne, oblique. Ou le dernier muscle où est le plus profond, c'est le muscle transverse de l'abdomen. Les muscles larges de l'abdomen, c'est bon latéralement. Donc, on va commencer par l'oblique externe. L'oblique externe est le plus superficiel. L'origine terre, c'est les faces externes des côtes 6 à 12. Donc, on met les côtes 6 à 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hajib origine terme, les faces externes de l'oblique. Le trajet, il est oblique en bas et en dedans. Donc, les fibres terrestres qu'on appelle là, en bas et en dedans. Donc, il est derrière. La terminaison, la terminaison. Pour la partie postérieure, on a la crête iliaque. Pour la partie antérieure, on a la gaine effusienne. Pour la partie inférieure, il va former deux piliers. Donc, deux piliers, c'est comme amida. Le pilier médial, les rouana, s'insère sur le pubis. Le pilier latéral s'insère sur le ligament inguinal. Le ligament inguinal, c'est le bon préféré. Donc, l'action, il est un rotateur. Donc, rotateur de temps. Sur l'action, tu as le joueur de tennis qui t'a le ballon. On va dire dans le chouïa, la bleue frontale. C'est un rotateur. Et aussi un fléchisseur. Donc, il parle à ça. C'est des mouvements intérieurs. Voilà. Donc, on a vu l'oblique interne. L'oblique interne, l'origine terre, c'est un des trois origines aussi. Un des cahna, le fascia thoracolombaire. Avec la crête iliaque et le ligament inguinal. Le trajet il est étalé en éventail, donc j'ai sur le miroir. Il est oblique, mais il bien sûr, en haut et en dedans. Donc il est la direction de l'intérieur et en dedans. Donc, les fibres de le muscle oblique interne ou de le muscle oblique externe, il y a des carreaux, La terminaison, pour la partie supérieure, c'est les faces externes des côtes 10e et 12e, le 10
bis on douze. Et le deuxième cartilage costal, aulique, le cartilage sternum. La partie antérieure, la gaine incusienne, qui est là, antérieure, démontante, la gaine incusienne. Et la partie inférieure s'unit avec celle du muscle transverse pour former le tendon conjoint. Aulique, le tendon conjoint, c'est des fibres nishtelkin, bien le muscle transverse et le muscle oblique interne. Donc là, on a donc le muscle transverse de l'abdomen et le plus profond, donc un symbole d'Afrique. Origine des deux tiers antérieurs de la crête iliaque, comme des deux tiers antérieurs de la crête iliaque. Le trajet sont des fibres transversales, donc là, transversalement, mutuosine est le plan transversal interne. La terminaison, c'est la gaine rectusienne. Bien sûr, parce que les transversales, la gaine rectusienne. Pour les fibres intérieures, les fibres du muscle oblique interne, le tendon conjoint. L'action, c'est l'expiration forcée. L'expiration, c'est une première unité. Il y a Zephyr. Qui te pousse l'air, les poumons, le bas. C'est ça l'expiration. Donc la gaine rectusienne qui me connaît, c'est une gaine fibreuse, c'est un fascia, est enveloppé dans les muscles d'aloi et pyramidaux. À la partie antérieure, à la partie supérieure, les deux tiers supérieurs, est-ce qu'on a deux lames, une lame postérieure, une lame antérieure. Pour la partie, pour le dernier tiers inférieur, est-ce qu'on a une seule lame, est-ce qu'on a antérieure ici, oui. Donc, les muscles larges participent à sa formation, bien sûr, en les muscles larges sternales. Heichel couvre la formation de la gaine rectusienne, en un chef d'œuvre. Pour le rôle, dans son rôle général, premièrement, il maintient le contenu abdominal, bien sûr, le contenu abdominal, il chef d'œuvre, il. Elle va aussi augmenter la pression intra-abdominale, la pression abdominale s'approche. Premièrement, avec l'expiration forcée qui m'a donné, je suis à la première unité. Faire l'unité, je vois la défication. Et aussi, va comprimer les viscères. Donc, les viscères, qui m'a donné intervient dans la mixtion, la défication, le tous, l'expiration forcée, le vomissement, d'après. Et l'accouchement, bien sûr, le maquille tout le, elle va pousser le bébé vers le bas-là, baisse poussée, bien sûr, elle va mettre une pression intra-abdominale. Donc, pour les points faibles, it's boring. Donc, son avocat, les points faibles. C'est quoi les points faibles? Ce sont des points. Mais une construction musculaire là, bien. Donc, les hâtes, les vaisselles et les choses. Donc, il y a toujours des points de défaut. C'est pas des défauts, des mécharchats, c'est des défauts. Mais ce sont des points faibles, les cavas. Donc maintenant, pour l'anneau fémoral. Alors, on a un muscle, c'est le muscle psoïdien. On a le ligament inguinal. Donc maintenant, on a un muscle rouge. Ça a le frère serré, il de l'intestin maintenant. Une partie de l'intestin, trois semaines. Bédéna, un hernie. Hernie, bréhamie, un gourou, batch. بالعامية بالعربية سي فوت قد تقول يا شباب دونك هاولي كذا يعني دونك حد ديرنا شغل هاي شغل كاين تنفاخ وكاين ديفيزا نخرجو برا هكذا ويدينا هاولي كذا تنفاخ
Wow, ada wasilani. Kime ndawi, u ndawi shirishi kamo genshe. Donc on va commencer un macat, un alano fémoral, au-dessous du ligament inguinal, donc un cerveau tête ligament inguinal, un le canal inguinal, un cerveau faux, au-dessus du ligament inguinal, un de l'ombilique, sur la tana, un de la ligne blanche, la ligne blanche est dans la réalité. Donc, on va commencer par l'anneau fémoral situé au-dessous du ligament inguinal. Donc, le ligament inguinal, j'ai une tête. Il est occupé par les vaisseaux fémoraux. Donc, c'est l'artère fémorale et la veine fémorale. Et là, on a le muscle grand psoas. Et là, bien sûr, c'est le fémur, je pense. C'est le fémur. Donc, le fémur. Et là, on a décalé la région inférieure. Si. L'anneau fémoral, c'est l'anneau fémoral, c'est comme les sièges, les hernies crurales. Donc les hernies, c'est comme ça la région, en ce moment, les hernies crurales. Voilà. Ah oui, les hernies crurales. Deuxièmement, le canal inguinal. C'est un canal oblique de 5 cm de longueur située au-dessus du ligament inguinal. Donc un cerveau fou du ligament inguinal. Il est parcouru par le cordon spermatique chez l'homme et par le ligament chez de l'utérus chez la femme. Voilà. Donc, passage en chicane, donc il est oblique, formé par les insertions terminales du musculage. Donc, en mettant le musculage terminal et pas le musculage, les insertions terminales terminales, ce canal inguinal. Il présente quatre parois, la paroi antérieure ici, la paroi postérieure, mollore, la paroi supérieure me fout, la paroi inférieure me tête. Un de la deux orifices, parce que c'est un canal, l'orifice profond me l'offre, et l'orifice superficiel. L'orifice superficiel est limité par les deux piliers du muscle, du muscle oblique externe. Alors, les deux piliers médian, alors la chaîne du pubis. Et le pilier latéral, c'est le ligament inguinal. Avec le ligament inguinal, fougou le canal inguinal, tertu, avec l'anneau fémoral. Donc, on a reconnu les hernies crurales, on a reconnu les hernies inguinales. Donc, voilà. Pour les parois antérieures, la paroi antérieure est avec. Et qu'on fait à la peau, bien sûr, le fascia abdominal superficiel qui m'a donné les muscles et qui m'a passé à l'intérieur de l'homme. Donc, sur ma fascia superficielle, c'est quoi l'acide? Un des plus piliers latéral du muscle oblique externe et l'entière latéral du muscle oblique interne et transverse. Le muscle oblique interne et transverse. Voilà. Pour la paroi postérieure, un des pilier médial du fascia transversalis, donc avec le pilier médial, un des plus fascia transversalis, qui est attrapé le muscle transverse. La paroi superficielle, supérieure, sous le poulet, qui a les bords inférieurs du muscle oblique interne et transverse, voilà. Donc, donc les bords inférieur du muscle oblique interne et transverse, et inférieur bien sûr du ligament inguinal, qui nous connaît avec le ligament inguinal, le canal inguinal situé au-dessus. Donc logiquement, le ligament inguinal, ouais, c'est la paroi inférieure interne. Pour les deux orifices, un des orifices superficiels qui nous connaît limité par les deux piliers du muscle oblique externe, pardon. Le pilier latéral et le pilier médial, un cerveau de l'orifice superficiel. Et l'orifice profond, c'est une invagination de la fascia transversalis. Et qui me gouna, c'est le siège des hernies inguinales. Le canal inguinal, c'est le siège des hernies inguinales. Donc, l'anneau fémoral, le siège des hernies crurales. Le canal inguinal, c'est le siège des hernies inguinales. Donc, on va voir qui va nous faire le curvage pour l'inguinal. Qui va nous faire l'inguinal, il est à là. Elle a le fou ligament inguinal. Ou l'herbe curvage, c'est pour ça. Donc, on va voir l'inguinal, on va voir curvage. On va voir l'inguinal, on va voir curvage.
Donc, troisième point faire de ta nation vivie, c'est un arme aux fibres écartées. C'est le vestige du cordon ombilical, vestige, c'est-à-dire donc, qui qu'un embryon, qu'un dalle de cordon ombilical, on va bien sûr m'en mettre le bébé couché, et le vertige, un gâteau de cordon ombilical, bien sûr, par accouchement. يبقى معنا برك موبيلي حيبقى معنا برك الاثر تاع الاوبيراسيون كاين دونك سي تو اي سور لو تراجي دو لاني بلانش يعني سور هاي لاني بلانش موبيلي حسن لو تراجي تاعها سي اي دي زارني دي فيستول اوميليكا تاع الفوتو كل تاع الصورة دونك هامليك حنصيبوها هاني في ساتين وبعد تشوفو بيان لانتيستان جاي تاعنا Bien sûr, l'intestin tellement qu'on a chaud le dernier, il est dépoussé, barra, il sert d'espace à l'intérieur, le point faible de l'espace, donc il rejoint une partie avec là. Ben, dernier, elle est La ligne blanche, elle constitue le roc, la rencontre des gaines rectusiennes sur la ligne médiane, donc les deux gaines rectusiennes de la RPA, tendue de processus visible ici. Tel est un fils pubien, donc tel arc est à les deux pubis. Elle est interrompue par l'ombilique à la rose. Et c'est, elle est un ciel désarmé aussi. Donc, on est désarmé à la ligne blanche. L'anatomie de surface permet la palpation méthodique de l'abdomen. Donc, le médecin a un de des régions qui touche et qui ont est-ce qu'il y a des organes en le frein. Donc, on a 4 lignes, 1, 2, 3, 4, ben, on a 4 garants. Donc, c'est un par exemple, je vais l'estomac, Donc, on a l'épigastre, on a un objet, est-ce que c'est neuf ou la mort? Maintenant, une femme, je vous donne un exemple, une femme dit les urgences, elle nous dit la force iliaque droite, ici. Donc, on a fait le cours. Quand elle a dit la force iliaque droite, chez la femme, elle a l'ovaire droit, ou elle a l'appendice, zéide d'oudia. Donc, il faut nous dire, il y a une la face l'ouline, elle a une grossesse extra-utérine. Donc, c'est une urgence chirurgicale. Ou là, on a appendicite. Appendicite aussi. Qu'est-ce que le suffixe it, flatant, ça veut dire itihad, inflammation. Donc, appendicite, inflammation de l'appendice. Ou le tendinite, l'inflammation des tendons, etc. Donc, on a, on a appendicite, ou l'appendicite, ولا عندها غروسيز اكسترا يوتيرين كيف كيف لازم منا شيروجي انترفونسيون شيروجي لازم منا تدخل جراحي دونك باه نديرو هذا الخروطة نديرو دو لين دو لين فيرتيكال يمشو او ميليو دو شاك بلي انكلينا دونك باه نبسطوها هاوليك المامولون تاعنا معليش لا كلافيكول نحمو لا مواتي تاعها نديرو خطة من هكذا نمشو كنصيبو حنا قراب شوية على المامولون تاعنا ونزيدو نعطو حتى نوصلو لا موتي تاع لي كامون عندنا هاهم كيما رانا درنا دو لين فيرتيكال دونك نسحقو دو لين هوريزونتال لي دو لين هوريزونتال عندك سوبيريور حيجوز على لي روبور كوستو دونك سا فو دير الطرف التحتاني روبور انفيريور تاع لي كوب تاعنا والدوزيام لين حتكون جوز على لي بينيلياك l'épinéliaque antérieure supérieure. Les deux épinéliaques antérieures supérieures. Donc, là où il y a un quatre carreaux. Là, c'est l'épigastre, avec la région ombilicale, là, l'épogastre, l'épochondre gauche, l'épochondre droit, épochondre, ça veut dire hypo, contre, à la hauteur, à l'écorce. Donc, elle conteste l'écorce. Là, la fosse iliaque gauche, la fosse iliaque droite, هنا لو بلون دو روا اي لو بلون غوش دونك حنا جوبو واحد واحد ما كومونسي بار لي بيغاس لي بيغاس حاسبو في ليستوما حاسبو في لو بونكريا شوفو فوق هادو لي كابون لازم تحطوهم عند ظهر القلب بصح ما تخافوش
كنت حافظه مع اللون بعد شفاو عليهم من اون جينيرال. ومن بعد شاك اورغان كي حتقراه وين جاي حتقرا لي سبومان وين جاي هنا وكلش لوجيكمون مخك يولي اوتوماتيك هادي صافي لي فيكا دونك ما تسخش تحفظها حتحفظها ومن بعد كي حتزيد تقرا لي زون كان حتزيد تحفظها بوكو بلوس وبيان سور مع لي كوش وكلش تبقى الكونفيرونسكم محفوظة. دونك لي بيغاس تاعنا حنصيبو فيه لي سبوما اي لو بونكريا ايسي او دو دينا لو بونكريا حيكون هنا. La région ombilicale, qui est l'intestin grêle et le colon transverse, et les bougas, le rectum. Le rectum, il y a la région, mais je il y a la partie l'achrakam du colon, la vessie et le tire chez la femme. Donc, pour les bougas, on va voir le foie, je connais le foie des mlesquamara, la vessie biliaire, donc le foie et la vessie biliaire. Maintenant, l'angle colique de voie entre le colon ascendant et le colon transverse. L'hypochondre gauche, et avec le foie à droite, ça veut dire la rate, elle est à gauche de l'estomac, et avec une région de l'estomac, ça n'a pas de chéri, parce que quand on a la palpation de l'estomac, il y a la pépigase. Donc, avec la rate à gauche, ou avec l'angle colique gauche entre le colon transverse et le colon descendant. هنا لو فلون دروا لو فلون دروا حنسيبو فيه لو غان دروا اي لو كون اسوندون لو فلون غوش سي لا ميم شوز لو كون ديسوندون اي لو غان غوش لو غان غوش لو غان حيكون مرلو مر الكولا ما عرفش يبان لا فوسيلياك دروا ايسي كيما قلنا فيها لو سيكو ابونديس دونك ابونديس زائد التوبيا وعندك لو غان دروا شي لا فام. La fossilia gauche avec le colon sigmoïde, il y a la partie de la colon, le colon descendant, le colon transverse, le colon ascendant, on va dire le canne sécom, on va dire le canne la pondie. Après, on va dire le canne la pondie. Ou je connais le verre gauche aussi.